voix. Ne rends pas les coups. Le poids ne rend pas les coups. Le poids ne rend pas les coups. Bonjour tout le monde, bonjour les amis, c'est Liala, comment allez-vous? Moi je vais super bien et bienvenue dans mon émission 100 000 hits combo. Et aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur Tekken 7, le guide pour débutants. On est là pour apprendre des meilleurs. Donc ce week-end, le week-end dernier, il y a eu ce qu'on appelle le Tekken World Tour, pour ceux que ça intéresse, ça a repris. Hein. Donc c'était au Japon. Qu'est-ce que je raconte, merde? C'était pas au Japon. Qu'est-ce qu'il raconte, le type? Zéro, le mec. Zéro, je suis désolé. C'était pas au Japon. C'était en Thaïlande. En Thaïlande, donc c'était le Tiger Uppercut. Et on a eu une finale assez grandiose, je trouve, personnellement, tout simplement, parce que cette finale a opposé Nisama, ici à gauche, contre votre ici à droite, Book. Alors, finale extraordinaire, tout simplement, parce que, bon, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Nisama a envoyé en finale winner, a envoyé Book en loser, je crois, je sais plus, hein, en loser, et Book, il a remonté les losers, j'allais vous spoil, il a remonté les losers, il est arrivé en grande finale, et là, il affronte Nisama, et donc, il utilise Jin, hein, il joue Jin, et Ni utilise, là, dans ces matchs-là, il utilise Kazuya Mishima. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant pour moi, tout simplement, parce que voilà, actuellement, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'essayer de jouer avec Jin Kazama. Donc nous sommes là pour apprendre des meilleurs, parce que Tekken, c'est avant tout un jeu de mimétisme, c'est-à-dire que, voilà, vous jouez un personnage, choisissez le mec le plus fort avec votre personnage, le mec qui joue le mieux avec votre personnage, donc des joueurs professionnels, et essayez d'imiter ce qu'ils font, parce que s'ils font quelque chose dans le jeu, c'est qu'il y a une raison, donc c'est comme ça que ça commence. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre les mécanismes du jeu et savoir à quel moment vous pouvez utiliser vos coups, les propriétés de vos coups. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc je vous fais les tutos et je vous fais aussi maintenant ce qu'on appelle l'apprentissage par soi-même. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des informations sur notre personnage auprès des professionnels pour s'améliorer dans le jeu, si on veut vraiment s'améliorer dans le jeu. Donc, n'oublions pas, hein, comme d'habitude, le bois ne rend pas les coups, mais l'adversaire, oui. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Le son derrière, parce que je pense que quelqu'un m'a demandé, putain, c'est quoi la musique derrière, merde? La musique derrière, c'est l'OST de Liu Lang dans Tekken 3. Alors, c'est un petit teaser, hein, mais c'est plus de l'espérance qu'un teaser. C'est que j'espère on aura des persos Legacy et que le prochain ça sera Liu Lang dans le DLC. Je l'espère parce que j'adore ce personnage, j'adore tout chez lui. J'aime Jackie Chan, j'aime Liu Lang, je joue Liu Lang et ça me fait chier qu'il soit pas dans le jeu alors qu'il est dans Tekken depuis le premier. Ça me rend dingue, ça me donne envie de vomir. Donc on est parti, on va couper le... On va attendre que le son termine parce qu'il est pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc ici, alors la vidéo elle dure une demi-heure, mais on va regarder que les 18 dernières minutes, tout simplement parce que j'estime que les 10 premières, c'est bien, c'est super. Je mettrai dans le lien dans la description si vous voulez voir tous les débuts de combat, toute la remontée de Ni de Book contre Ni. Et donc ici on va plutôt s'intéresser. La musique est terminée, je suis désolé. Ça va enchaîner avec la musique d'Eddie Gordo, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, hop, je vais balancer et je vais continuer à vous expliquer ce qui va se passer ici. Donc, on se retrouve ici en grande finale. Donc, il y a 1-1 ici. Donc, j'ai choisi cette partie-là tout simplement parce que j'ai trouvé que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le tournant, en fait. Il y a eu le tournant où Book a commencé à éveiller son ultra-instinct ici avec Jin Kazama. Donc... Il est en loser, lui, donc il doit gagner 3 fois, pour ceux qui connaissent pas la règle, il doit gagner 3 fois contre Ni pour pouvoir reset, c'est-à-dire remettre à zéro le combat, et après il doit gagner 3 fois pour
pour gagner le match. Après, chacun doit gagner 3 fois pour gagner le match. Donc voilà. Ici, premier round pris par Kazuya Mishima. Donc, Jin est un peu dans une mauvaise posture. Donc, comme je vous ai dit, je ne suis pas un très très grand commentateur. Je ne suis pas le meilleur. Je ne suis rien du tout. Je suis un débutant tout comme vous. Et je débute avec Jin. Donc ici, comme je vous ai dit, on est là pour apprendre, pour imiter les grands joueurs. Donc, vous savez, avant, je jouais Kazuya Mishima. Je l'ai lâché pour jouer un peu Faye. Oh, vous avez vu ? Vous avez vu ça ? Attendez ! On va replay. Oh, vous avez vu ça ? C'est ça qui est super avec Jin. Ça, j'aime bien avec Jin. Le pari de Jin. Regardez ça. Il parie. Il va parier. Voilà, vous avez vu ? Il a fait un pari ici, mais il n'a pas pu punir. C'était pas mal vu, mais il n'a pas pu punir derrière. C'est dommage. Donc, voilà, donc... Hop, vous avez vu, micro backdash, je reviens en arrière parce que il se passe tellement de trucs en quelques secondes, les gars, on comprend rien du tout. Donc là, ici, hop, il va parier. Non, c'est pas là, il a déjà parié avant. Vous avez vu, micro backdash, 3 micro backdash pour s'éloigner de Nid. Ici, c'est un truc de ouf. Voilà, putain, double électrique, frère, double électrique, je te dis, c'est un truc de ouf. Ça punit, là, ça punit. Ça va vite, ça va vite. Alors, vous aurez des micro-lags, en fait, au niveau de la vidéo, tout simplement, parce que c'est l'enregistrement qui était comme ça. C'est ça que je vous disais en live hier, pour ceux qui étaient en live. C'est que ça, c'est ici, il y a le tournant ici, ça m'a tellement impressionné. Vous avez vu, attends, vous allez voir ce qui s'est passé ici. C'est hallucinant. Le mec, il parie la rage drive de Kazuya, qui sort à une vitesse assez hallucinante, assez dure à voir, et bam, est puni avec un can-can et fait 1-2 après. 1-2-4. Voilà. C'est pour moi là, à partir de là en fait, c'est toi que j'ai commencé la vidéo ici, c'est parce qu'à partir de là ici, c'est le tournant pour moi. Il se passe des trucs de ouf et tout, et il se passe des choses assez intéressantes. Comme je l'ai dit, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous marquez juste grande finale Tiger Uppercut 2018, et vous aurez la finale en entier avec la remontée. Des losers de notre cher ami Book jusqu'au reset. Donc allez, on regarde, donc voilà, ouf, là c'est intéressant ce qui vient de se passer là, attention, on replay. Alors je ferai souvent ça parce que, ah là, putain la vache, attendez, j'enlève mon, mon curseur là parce que mon gars, on voit rien du tout. Donc, regardez, ce qu'il fait avec Jin, hop, électrique. Hop, il a mis un bas 1, après il a mis électrique, il a mis relevé 2, électrique, oh, le combo contre le mur, putain, ça vache, ça fait tellement mal, wow, il a contré avec un 1-2, ah, c'est un truc de ouf, ok, ça, ça va être... On déchoppe ça, le coup de boule de Kazuya avec 1-2. Il utilise beaucoup de Wall Standing 3, moi j'utilise jamais ça. C'est bon à savoir, deux fois avant. Ok, arrière 1-2. Ok. Il a tenté le setup là, il a tenté le setup en sautant par-dessus. Mais ça n'a pas fonctionné, donc 1-2 électrique. Coup de poing au sol. Ah ouais. Back 1-2, d'accord. Il a puni avec 1-2 là, le coup de Kazuya. Donc oui, c'est vraiment intéressant de faire ça, les amis. C'est-à-dire que vous jouez un personnage, vous allez voir un joueur pro, et à partir de là, vous pouvez commencer à penser à un game plan, en fait. Quand vous êtes débutant, vous regardez, parce que quand t'es débutant, en fait, tu vas utiliser plein de coups qui servent à rien, et au final, bah, tu te fais ouvrir, tu te fais arracher. Alors qu'il est plus simple. En fait, il faut épurer votre jeu. Et grâce à ce genre de vidéos, à regarder des vidéos de professionnels, vous allez pouvoir épurer votre jeu. Vous allez voir qu'il y a certains coups qui sont jamais utilisés. Et quand ils sont utilisés, c'est à des moments spécifiques. Parce que par exemple, Jin, je crois qu'il a plus de 100 coups. Et là, on va voir, il va utiliser quasiment que 20 coups de Jin, en fait. Quasiment. Donc, c'est ça qui est intéressant à voir. Donc, coup de genou, il poke pas mal. Là, il se fait punir par Kazuya. Ok, 1-2... Ah, oh, combo après ça quand même, d'accord. Donc il a fait deux fois avant 3, ce qui lui a donné ici un rebound, et l'enchaîner avec 1-2, et il a fait combo direct. Ok. Voilà. Il a utilisé, ah, ok. Ce que j'ai dit dans le dernier guide, hein. 80% du temps, votre adversaire va essayer de vous finir en low, en fait. Parce que c'est plus simple à placer un low que des attaques en high middle. Parce qu'en high middle, c'est plus facile à bloquer qu'un low. Parce que votre cerveau n'est pas habitué à vous baisser, en fait.
Donc il faut s'entraîner. Et il faut penser à ce moment-là qu'il faut se baisser. Il fait des trucs de ouf. Il a des stents de ouf, Jin. C'est un truc de malade. Électrique en garde. Oh, ça c'est tellement fou, mec. Attends, regarde, attends. Donc là, il poque, il met de la pression, il recule, backdash électrique. Pff, il a whiff son coup là. Et là, il se fait punir directement. Il a drop son combo là, notre ami Book. Donc là, il essaie un petit DF2, mais c'est pas passé. Alors je me concentre que sur Jin en fait, parce que il y a tellement d'infos ici. Oh, vous avez vu? Oh la vache! Hey, vous avez vu ce qui s'est passé là? Kazuya il va mettre son low là. Hop et hop, Book hop. Vous avez vu micro backdash vers la droite, il esquive le jab quoi. Électrique dans la garde, s'envoie un deux fois avant triangle. Oh, L sweep suivi de petits combos qui fait plaisir. Et oh, ça drop. Il finit avec un jab. Des fois ça drop, je comprends pas. Moi aussi ça fait pareil, des fois ça passe pas, je touche pas. Ouais, elle sweep. Ok, suivi donc de ce coup là. Ok, là il a fait un will standing 3. Le coup de pied rotatos qui est... Oh. Oh, vous avez vu ce qui s'est passé là? En gros, il a donné coup de genou. Donc arrière 3. Attends, on va aller voir. Non, il a donné ouais, deux fois avant croix, arrière croix. Et il a mis... il a counter hit. Il a counter hit knee. Hey, Jin, c'est un personnage de cinglé. Hein. Jin, t'as l'impression en fait que tous les coups qu'il donne font counter hit. C'est counter hit, c'est un truc de fou. C'est pour ça que je suis parti sur le personnage. Parce que j'aime sa façon de se battre, j'aime son style. Je l'ai toujours aimé et tout. Après, j'aime pas la tenue qu'il a de base là dans Tekken. Là, sa tenue elle est dégueulasse là dans Tekken 7. Mais il est phénoménal, Jin. Il a son pari, il a tous ses coups quasiment qui counter hit, qui permet de faire reculer l'adversaire. Il est assez dangereux. J'aime son style. Donc là, il a un match du reset. Donc il a un match du reset. Yanni là, il a décidé de prendre Paul pour counter pick comme on dit. Mais Book il est là, il reste solide sur son personnage. Il tousse un peu, tu vois, il est pas bien. Il est là, merde, qu'est-ce que je vais faire contre Paul? C'était une feinte, c'est une feinte thaïlandaise. Donc voilà, la feinte thaïlandaise. Il est là, il fait genre, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ni il est pas bien, tu vois. Quand tu vois quelqu'un toucher son nez tout le temps, parce qu'il a fait trois fois ce qu'il est pas bien. Il sait pas quoi faire, il est pas bien, ça se passe pas bien, tu vois. Ça se passe pas bien. Ni qui est champion de l'Evo 2018. Hein. Oh, attendez. Hop, parce que moi j'ai pas tout regardé en fait, j'ai juste choisi le moment qui était intéressant, à partir d'où je pensais que c'était intéressant. Je regardais les 10 minutes avant. Putain, c'est un truc de ouf. Attends, on remet parce que c'est un truc de ouf. Vous avez vu comment il commence son combat? Il faut retenir ça. Moi, je vais faire exactement la même chose. Regardez ça. Il fait dash sur côté gauche. Après, il fait avant... électrique, oh la vache. Il fait avant 4, quoi. F4. Oh là 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 là. Ouf, ouais. Ça, ok, vous avez vu. Le L-sweep, tu le bloques. Tu peux punir directement après quand tu le bloques. Donc, il faut pas le low pari. Il faut le bloquer puisque... Le personnage qui fait son L-sweep, il est désavantagé parce que c'est un low lourd. Oh là là, punition. Oh là, il faut remettre ça. On va être là jusqu'à demain matin. Vous avez vu ça? Hop. Donc il a contré, il a bloqué le low. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite, mec, qu'on n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Bon, regardez ça. Il a bloqué. Il whiff. Hop. Il est puni avec back 1-2. Directement. Et ça le tue. Voilà, la vache. Donc, il utilise beaucoup ce coup-là, là, le FF3. Je sais pas, ça doit être moins 6 en bloc, un truc comme ça. Ou plus 2, je sais pas, j'en sais rien, je connais pas les... Mais ça lui permet de faire des coups assez... des coups derrière, après. Ok, encore une fois. Ouais, quand il est au corps à corps, il aime bien utiliser ce coup-là. Hein. Ouais, vous avez vu, encore, il l'aurait fait. DF2 qui est pas passé en counter hit, Snow le relauncher, électrique, il a retenté un électrique, là c'est pas passé, hop kick, oh la vache,
C'est dégueulasse l'optique. C'est parce qu'en fait, là, Jean, il a essayé de bourrer. Et plus tu bourres dans le jeu, plus tu deviens négatif, en fait. Et oh, coup de genou sauté, là. Ni. Ni sol, tout, je sais pas quoi. Ok. Allez, il pousse, hein, il push back avec, avec ce coup-là, hein, le F4. Hein. Ah ouais. F4, il a utilisé plusieurs fois là pour faire reculer son adversaire et avoir un counter hit. Vous avez vu ça, les backdash là et les dash. Oh, c'est n'importe quoi. On dirait que le jeu est saccadé, tu vois. Oh la vache, il manque de connexion. Oh la vache. Électrice, suivi d'électrique. Il a essayé de frapper entre les deux électriques, il s'est fait défoncer. Alors, normalement, s'il avait mis un jab. Jab, il aurait pu arrêter l'électrique, le deuxième électrique de notre cher ami Jean. Je remets en arrière parce que... Magic Four. Ah la vache, il lui a cassé la nuque, il a brisé la nuque, mon gars. Ah. Ok. Ouais, il a puni là avec 2-4. Et DF1 qui est un très bon coup de Jean. Ok, pareil, vous avez vu. Pff, on va remettre cette séquence parce que c'est... parce que c'est hyper cinglé ce qui vient de se passer. On remet la séquence. Attends, on va remettre depuis le... On va remettre de là. Donc, regardez ça. Il commence le combat avec un step droit. Paf, il tape. Donc, il a fait F4. Après, il a appuyé sur 1 plus 2. Et il envoie le combo. Après, il a fait... voilà, vache, mec. C'est ça avec Jean, c'est un truc de ouf, mon ami. Jean, c'est psychopathe, il faut remettre ça. Regarde, il se relève. Voilà. Oh, ça me tue à chaque fois. Il faut que je remette ça parce que Paul, il se relève. Il fait 1-2. Après, c'est un gros coup. Je pense qu'il y avait plus de frappes. Là, vous avez vu, Book, il a fait une fausse manip là parce qu'il a sauté. Il a donné en même temps. Il a donné en même temps un coup en l'air, mais le Magic Four, quoi. Il a fait 4. Paul, il est tombé. Il est parti rejoindre les nounours, quoi. Les moutons. Comptez les moutons. Voilà. Là, ici, Book vient de reset, en fait. C'est-à-dire que, voilà, tous les... le jeu, c'est reparti à zéro, en fait. Le reset, c'est-à-dire que là, voilà, il faut que un des deux gagne 3-0. Et c'est fini, il devient champion. Champion du Tiger Uppercut. Donc, voilà, c'est pas mal. Et Ni, c'est un ouf, hein, parce que Ni, là, donc, il a gagné l'Evo Japan. Après, il est parti gagner le Final Round il y a 2 semaines, je crois, ou il y a 1 semaine. Et là, il est en Thaïlande. Il est en Thaïlande ce week-end. Et il a streamé, je crois, lundi, le psychopathe. Et il a fait des matchs classés avec Kazuya en ligne lundi, je crois. Ouais, si, c'est lundi. Lundi ou mardi. Un malade, il n'a pas le temps. À ce niveau-là. Book, il est concentré. Hein. Book, il est là, il n'est pas là pour déconner. Donc, il reprend Kazuya. Counter pick encore. Donc là, voilà, c'est tout le monde à égalité, là, au niveau des points. Donc, c'est parti électrique. Encore un électrique qui a whiff. Électrique de la part de Kazuya. Doria. Oh, deux fois avant Croix, je crois, ou Rond. Ce coup de pied de ouf, là. Petit combo derrière. Un petit combo, gros combo plutôt. Ah la vache, le L sweep. Là, il se relève vachement avec. Il choisit la relevée, il choisit toujours 3. Hein. Alors, vous avez vu, il se baisse et il envoie 3 à chaque fois. Parce que je crois que 3, si ça touche en counter hit, ça donne launcher en fait. Scroll attaque. C'est pour ça. Là, il a tenté le Will Standing 2, mais c'est pas passé. Kazuya qui met une bonne pression ici. Électrique. Ah, c'est la vie, les électriques dans le jeu. Oh. Oh là 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 là, il faut revoir ça les gars, j'adore ce jeu. Ce jeu il est magnifique, regarde-moi ça. Ni, hop, il tente. En fait, Ni là, qu'est-ce qu'il tente? Il va tenter le comment on dit, le DF2 de Kazuya qui sort en 16 frames. Hop, mais c'est tellement lent, l'électrique il sort plus rapidement. Donc il s'est pris 2 électriques dans la bouche. Et c'est vache. Attendez, encore un électrique, ça passe pas, l'exécution n'était pas bonne, mais c'était baissé, Ni. Donc là, vous avez vu, il met la pression ici, il fait 1-2-4, 1-2-3 plutôt. Et voilà, je sais pas c'est combien c'est en bloc ça, il faut que j'aille voir. Oh,
Oh là là. Regarde, le mec il backdash, boum. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais l'électrique c'est vraiment un truc de cinglé, non, je pense que c'est le meilleur coup. Hein. C'est, non, en fait, c'est pas le meilleur coup, mais c'est le coup le plus impressionnant, tu vois. Oh, oh putain. C'est, en plus, celui à Jean, il est complètement cinglé parce qu'il se fait partir en vrille, tu vois. C'est un truc de malade. J'adore ce jeu. Ah, ici, là, ok, c'est pas passé, il a pu se protéger dans cet enchaînement. Ok. Il se relève. Oh, électrique. Des fois, tu sors des électriques, tu sais même pas pourquoi, parce que tu t'entraînes tellement à les faire. Tu t'entraînes tellement à les faire en entraînement que tu veux essayer de sortir à chaque fois. Faut revoir cette phase. Je suis désolé, les gars, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc, ok, attends, on va remettre 10 secondes avant parce que c'est, ça a l'air tellement fou. Donc, il met la stance. Il va mettre la stance. Stance. Ouf. Carré. Il fait stance carré, mais c'est, pourquoi ça touche? Parce que Ni s'est embrouillé dans ses micro backdash là. Et en fait, il était pas dans le bon timing. Sa garde n'a pas pu s'activer en fait. Donc il s'est pris le coup. Là, il s'est passé pour une fois le 1-2-3. Donc il utilise pas beaucoup de 1-2-4. Moi, je fais que ça en ligne. Et je me fais défoncer à chaque fois. Donc le 1-2-4, le 1-2-3 est beaucoup mieux. Voilà, il vient d'utiliser la 1-2-4. Oh, il a essayé un L-sweep et il s'est fait défoncer. C'est fait arrêter par jab. Le jab, en fait, pour savoir, c'est vraiment votre meilleure arme. Le jab, c'est-à-dire qu'il peut interrupt quasi... Oh là là. Faut voir ça. J'adore Kazuya aussi. Kazuya, sa rage drive, elle est psychopathe. Hein. Elle sort à une vitesse. C'est hallucinant. Ouais, je disais, oui, le jab peut vous sauver la vie. Hein. Le jab, si vous avez un placé, ça peut arrêter n'importe quel coup. Parce que c'est le coup le plus rapide du jeu. Le coup normal le plus rapide du jeu. Ouais, ça envoie. Ok. Back 1-2. On bloque. Oh! Ok, il utilise vraiment le 1, le back 1-2 pour amener au mur. Hein. Moi, je fais pas ce genre de choses. Donc, ça wall splash. Donc, voilà, j'apprends des trucs. Oh, vous avez vu le step là pour éviter le coup de Kazuya. Impressionnant. Ouais, c'est parti, elle sweep. C'est abusé. Against Ni. Eh mais c'est Ni utilise pas assez le mix-up de Kazuya, c'est-à-dire que là il utilise pas assez son L-sweep. Hein. Je vois là il est pas bien. J'ai dit il s'est touché au moins 6 fois le nez. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans son match. Donc là il y a des bonnes phases hein, puisque Jin comme j'ai dit j'apprends à jouer le joueur et je vois mes erreurs là en fait. Je fais des coups qui servent à rien. Je vois là pour push l'époque que fait notre cher ami Book. Bah, c'est pas les mêmes pokes que je fais en fait. Je choisis pas les bons coups safe en fait. Donc lui utilise beaucoup F4, beaucoup de FF3. Ok, il a commencé direct avec Magic Four. Okay, là, il a joué contre, comme un mec en ligne, putain, il s'est fait punir. Counter hit. Putain, ce stage est aussi cinglé aussi. Hein. Parce que le mec qui te met au sol et qui pète le sol, il a l'avantage sur toi. Hein. Et il peut continuer comme ça jusqu'en bas et c'est terrible. Vous avez vu? Ouais, il poke. Ah, ok, d'accord. Il bloque, coup de genou, ça c'est arrière 3. Ok, we're standing 1-2. Backdash avant. Dash avant. Voilà, ça c'est. C'est sorti de nulle part. C'est comme le. Comment ça s'appelle? Oh la vache!
Ah, mais c'est tellement abusé l'uppercut de ce rage drive de Kazuya. C'est comme notre cher ami avec son RKO là, Randy Orton. Oh la vache. Out of nowhere, mon gars. Sorti de nulle part, mon gars. Oh la vache. Il a puni directement. C'est un truc de ouf. Ah, c'est quoi ça? C'est d'être carré, crois, je sais pas. Il y a des trucs, des strings que j'ai pas appris avec Jin. Faudrait que j'apprenne. Ouais, ces strings-là, là, elle est pas mal du tout, là, j'aime bien. Oh, vous voyez ce coup qu'il vient de faire, là, c'est 1 plus 2, j'utilise tout le temps. Et lui, il l'utilise quasiment jamais, là, il l'utilise juste pour punir. Donc, il va falloir que je... Ah, ça, c'est bien joué, ça. Faut savoir que Jin, il a changé de style de combat à partir de... Le Tekken 4, il se recentrer sur du Kazama style. Voilà, oh la vache. Vous avez vu, hein. Oh. Ouais, voilà. Ça, je vous disais, le jab, ça peut vous sauver la vie. Hein. Le jab, ça peut vous mettre... Parce que là, normalement, Jin, il est en mauvaise posture après s'être défendu contre le Rage Drive, mais il a pu contre-attaquer avec un jab, puisque c'est le coup qui sort le plus rapidement chez les personnages, coup normal. Électrique, hop. Ah, oh, ça c'est joli ça. Il faut retenir cette phase, les gars. Donc il a fait... Ce que j'ai passé. Donc électrique, paf. Hop, il bloque et hop, ok. Je vais retenir électrique. C'est bien baissé. C'est un truc de ouf. Vous avez vu le niveau un petit peu électrique? Oh là là. Il envoie un électrique en bloc. Regarde, électrique. Donc, ok. Hop. Il a puni avec un 2 plutôt. Et après, là. Pff, ouais, il faut revoir ça, les gars. Il faut revoir. Je suis désolé, mais. Donc, il punit. Hop. Nime électrique dans la garde. Oh. Jin, oh putain. Jin qui lui rend son électrique. Vache. Bam, bam, bam. Et il lui a fait le arrière avant triangle, carré, triangle pour en finir. Ah, il a recommencé. Pas mal cette phase de jeu. Il faut que je sache. Ça te met à combien le FF3 là? Parce que. Il en abuse, hein. Au corps à corps, il en abuse de ouf. Ok, ça... Oh, électrique, en bloc, électrique, duck. Oh là là. Ah, c'est la pression, là, les gars. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, là, Ni, il a pété un câble, regardez. Le L-sweep, il le lance à 500 mètres. Regarde-moi ça. Oh, regarde. Ah, non. Non, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il a fait un bon choix. Mais regardez ce qu'il fait, Book. Regarde au moment où il y a... Hop, il a fait juste un petit step, un backdash. Et il a évité le tourbilol de Kazuya, là. Truc de ouf. Tourbilol, bah le L-sweep, hein. C'est pas un tourbilol. Oh là 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 là. Regardez ça. Tac. Électrique. Il a fait DF1. DF1 enchaîné avec 4. Oh la vache. Ça fait un counter hit. Voilà les gars. I can't believe it, Michael. Randy Orton. Out of nowhere. Book, il est sorti de nulle part. Donc, ouais, vous avez vu ça, match très très intéressant. On a pu voir des phases de jeu très très intéressantes. Moi, je vais continuer à regarder cette vidéo, hein, tout simplement parce que il y a plein de choses à voir derrière. Attendez, je vais vous mettre une petite musique là, parce que là, les gars, on va un petit peu débrief sur ce qui s'est passé. En plus, derrière, il y a le mec, il est en train de faire le ménage, je sais pas, il est en train de couper l'herbe, je sais pas si vous entendez. Le bam 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 bam, le bois ne rend pas les coups. Donc voilà, c'est la première fois que je faisais ce genre de vidéo, si ça vous intéresse, que je commente comme ça de temps en temps des matchs comme ça.
Surtout quand il y a Jean ou un autre personnage, je peux faire d'autres personnages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Jean ici pour bien apprendre à jouer avec lui. Ça serait avec plaisir. Et voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Bon, ça a duré 30 minutes parce que bon, on a fait un peu de. On a un peu regardé ce qui se passait un petit peu dans le match. Des phases de jeu assez intéressantes. Maintenant, moi, ce que je vais faire derrière ici, c'est que je vais aller m'entraîner de mon côté. C'est-à-dire que je vais essayer de. Voilà, je vais regarder la vidéo encore une fois. Les phases qui m'intéressent. Et il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Il y a les phases qui m'intéressent. Et je vais essayer de refaire la même chose en entraînement. Tout simplement, sans pression. Et essayer d'appliquer ça en ligne. Et être prêt pour le prochain tournoi que je ferai là sur la chaîne mardi prochain. Donc j'espère que vous serez là, j'espère que vous serez présent. On va se mettre un petit peu de Forest Law. Musique de ouf. Ouya. C'est dans Tekken 2 ça. Ouya. Avec Marshall Law. Donc voilà, en tout cas, moi je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager la vidéo, un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ce genre de vidéo, parce que c'est la première fois que je propose ce genre de choses. Moi je vous laisse ici, je vous dis à plus tard, salut les amis et à très bientôt. Ne rend pas les coups. Le poids ne rend pas les coups. Ne rend pas les coups.